Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jess de cette chaîne où vous êtes arrivé, dit by Jess Couture et Bricolage. Alors je suis désolée, la luminosité n'est pas très bonne, donc j'ai mis ma lampe, je vous avais montré une fois, qui se met sur le téléphone, qui se clipse, et donc pour que je sois un peu mieux illuminée, parce que vous voyez le fond, il est très sombre. Et aujourd'hui, il fait un petit peu soleil, mais pas assez pour me mettre de la luminosité dans tout mon atelier. Et je suis obligée d'allumer les lumières du plafonnier et c'est pas le top. Donc, je suis Jess, j'ai 45 ans, je vis en Charente-Maritime, j'ai trois grandes filles, un mari, un chat, et je vous reçois dans mon atelier pour faire tout un tas de choses. Du papotage, de la couture, de tout, vous avez de tout. On peut faire aussi de la pâtisserie. Ces dernières années, je crois ces deux dernières années, je n'ai pas fait beaucoup de pâtisserie sur ma chaîne. Les quelques vidéos que vous avez ont été filmées comme j'ai pu avec dans le nature peinture que j'étais à l'époque. Voilà. Il y a 2 jours, nous étions arrivés à 1K, donc à 1000 abonnés, et d'un coup, c'est descendu à 998. Alors, je ne m'explique pas pourquoi les gens s'abonnent, se désabonnent. J'ai pas trop compris l'intérêt de s'abonner, puis après de se désabonner. Mais bon, voilà. Donc on n'est pas encore à 1000 abonnés du coup, vu que 2 abonnés se sont désabonnés. Je ne saisis pas trop, mais peut-être le contenu ne plaît pas. Ou alors ils s'abonnent et puis après ils voient que je m'abonne pas, donc ils se désabonnent. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Si quelqu'un est au courant, faites-le moi savoir parce que je ne comprends pas. Du coup, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de ce que j'ai fait. Alors, je n'ai pas fait grand-chose. Imaginez bien que la santé, c'est pas le top. Et puis en plus, le moral ne va pas avec. Hein, parce que, comme vous savez, du coup, quand la santé va pas, souvent comment dire? Non, je regarde si mon micro est allumé. Le moral ne suit pas. Hein, on ne peut pas péter la forme. Quand on pète la forme, on a le moral qui est super haut. Et puis quand on ne pète pas la forme, eh ben on a le moral dans les chaussettes. Et c'est exactement mon cas. Donc j'essaye de me sortir un petit peu de ce carcan d'angoisse et de stress qui, franchement, provient beaucoup du fait que je n'ai toujours pas reçu ma pension d'invalidité. Aujourd'hui, nous sommes le 24, je crois, octobre. Et donc, j'ai envoyé une lettre recommandée au directeur de la Sécu, parce que ce n'est pas normal, n'est-ce pas, vous en conviendrez. Et donc, du coup, ça me met une pression, parce qu'on est bientôt en début du mois de novembre, et je n'ai toujours pas de pension de prévu à être versée par la CPAM. Donc voilà, et puis comme ça me stresse beaucoup et tout ça, je suis pas de bonne compagnie avec mon mari, bon non, et puis il fait rien pour arranger les choses. Donc du coup, tout va à volo, hein. Mais j'ai quand même continué mon petit projet de gilet bigou, mon gilet bigou. Donc vous avez ici, vous avez le devant, et de l'autre côté, nous avons le dos. Donc c'est pour ça que je l'appelle mon gilet émeraude bigou. Si. Et donc j'ai toujours un problème de parementure. Je sais pas si c'est à cause du tissu que j'ai choisi. La parementure, elle est assez rigide, alors j'ai baissé le niveau de dureté de vous voyez, je l'ai baissé. Enfin, plus fin que ça, c'est plus pire que du papier. Voilà. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire?
Et là, bah, je ne trouve pas la solution pour mon. Non. Mais pourtant, c'est du thermocollant pour vêtements. Hein. Et ben, c'est toujours trop dur par rapport à la qualité de l'ainage. Alors, je sais pas. Franchement, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui a une idée. Alors, j'ai fait la ceinture. J'ai eu un décalage. Pareil, il m'est arrivé la même chose que j'ai fait dans l'autre, bah, dans celui que je porte d'ailleurs. J'ai eu le même décalage, mais là j'ai pu le rattraper parce que comme c'est assez pas trop visible, c'est pas beige quoi. Et j'ai pu faire les choses et puis comme j'avais fait tout à la surjeteuse, ça a arrangé beaucoup le travail parce que celle-ci elle est pas faite avec la surjeteuse, donc celle-ci j'ai tout fait à la surjeteuse. Hein. Tout 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 hein. J'ai tout fait à part là j'ai fait à la machine à coudre vu que c'est caché par la parementure, mais sinon toutes les coutures intérieures j'ai fait avec la, et puis j'ai mis des épingles et il va falloir que je mette les boutons pression parce que sinon je pourrais pas l'utiliser. Je l'ai essayé, elle me va un tout petit peu plus grand que celle que je porte. Et alors, je me suis aperçue que la qualité, elle bouloche. Donc, vous voyez, entre ça et ça, vous voyez, ça a bouloché. Il y a plein de petites bouloches. Alors, peut-être ça va régler le problème quand je vais le mettre au lavage, parce qu'avant, il bouléchait pas. Donc, peut-être. Et au prochain lavage, ça va arranger les choses. Bon, en tout cas, voilà. Voilà où j'en étais. Donc, c'est cette petite chose pour mettre sur votre téléphone. Vous voyez? Une petite lumière. Et je l'avais payé pas très cher. Hein. Je l'avais payé 2,39 euros. Non, même pas parce que, vous voyez, le 70 est barré. Bon, je crois que c'était même 80%. Donc j'ai donné 1,50 € je crois, 1,50 € ou 2 € max pour la petite lumière. Donc il faut que je la recharge parce qu'elle est un peu, elle perd un peu en intensité. Mais bon, pour aujourd'hui, ça suffira pour la petite vidéo que je vous fais là à l'heure actuelle. Alors j'espère que chez vous tout va bien. Moi, je me mets à faire et à réfléchir aux choses. Je suis en train de voir comment je peux faire le gilet, avec quelle laine faire le gilet le gilet, je ne me rappelle plus, mais enfin je vous ai parlé déjà de ce gilet dans d'autres vidéos avec Minimalou sur YouTube. Donc il faut que je cherche faut que je cherche dans mes caisses la laine que je vais utiliser. Je vais vous essayer le pull flax pour vous montrer, parce que j'ai pas rentré les fils, mais par contre je peux vous l'essayer et vous montrer comment ça me va, si j'arrive à faire avoir assez de recul. Et comme ça, vous allez voir bah, comment il me va, du coup. Mais bon, j'ai pas les vêtements adéquats parce que normalement, soit je le mettrai avec un jean, soit je le mettrai avec un haut évasé sur au niveau des hanches. Là, j'ai pas la tenue adéquate, mais bon, je vais pas reculer plus la vidéo parce que s'il faut que je m'habille exprès pour mettre le pull flex, on va pas s'en sortir, franchement, on va pas s'en sortir. Niveau temps, il a plu. Alors, il a fait beau pendant, franchement, il a fait 22-24 pendant 3 jours. Après, il a plu pendant 3 jours. Et là, on ne sait pas trop s'il va pleuvoir ou s'il va faire soleil. Alors là, il fait un petit peu soleil. Vous savez qu'on a changé d'heure, qu'on a 1 heure de moins. Cette nuit, j'ai pas grandement dormi, donc j'ai vu le changement d'heure, du coup. C'était à 3 heures du matin, et tout d'un coup, hop, il était 2 heures. Si. En ce moment, je regarde beaucoup de séries coréennes. Alors,
Il y a une série chinoise aussi que je regarde, mais ça dépend. Le chinois, il y a des séries que j'arrive pas trop à regarder, beaucoup même. Mais bon, ça se regarde quand même. Alors, je suis pas sûre de la date que je vous ai dit. Non, on est le 27. Je dis n'importe quoi, on n'est pas le 24, on est le 27. Donc ça fait 5 jours que je vous ai pas pris en vidéo. Et j'ai pas avancé rien dans mes activités manuelles. Et il va falloir que je me réveille parce que du coup, je vais aller au week-end de couture avec Raton et Panda, donc Amandine et les filles qui se sont inscrites donc au week-end couture. Et il va falloir que j'organise, ben, à savoir qu'est-ce que je vais coudre et surtout me faire un sac pour mettre tout mon matériel de couture. Et je l'ai pas fait. Vous vous souvenez, je voulais faire un Volkswagen que j'avais trouvé un tuto gratuit espagnol. Et donc voilà. Alors je sais pas, j'ai un moustique, je sais pas s'il est à l'intérieur ou s'il est à l'extérieur. On est envahi de moustiques. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais alors on est piqué partout. Je suis piquée un peu là. La nuit, je suis dérangée par les moustiques. Non, je n'ai pas de moustiquaire parce que quand on ouvre la porte, ben pas de moustiquaire quoi. J'en ai sur la vitre de ma chambre, mais pas sur ma porte. Du coup, quand on ouvre la porte, ben les moustiques, ils sont un plaisir pour rentrer. Et puis ils y vont vite, hein. Alors, il y a 5 jours. C'était les gros, vous savez, les gros moustiques. Ils sont très moches là. Et puis là, en ce moment, c'est tout petit que vous ne voyez pas à l'œil nu, sauf si vous faites très attention. Et donc, c'est très énervant, vous en conviendrez. Vu mon état d'esprit, je vais me mettre à dessiner un petit peu pour me donner l'envie. En même temps, je vais regarder un peu de télé. Enfin de YouTube et je vais essayer de me mettre à dessiner parce que je crois que ça va m'aider un petit peu beaucoup, je pense, à me sortir un peu de ce creux. J'étais en train d'écouter donc Nuna Créa pendant une dizaine de minutes et j'étais en train de faire ce type de dessin. Donc c'est les personnages qui vont avec Snoopy, sauf que j'ai commencé à voir que Snoopy ne rentrait pas dans mon dessin, et puis il n'était pas bien proportionné, et puis je me suis parce que j'ai fait ça en 10 minutes, et comme je trouvais que c'était pas bien proportionné, puis j'ai pas utilisé la gomme, j'ai fait ça à main levée. Donc il y a plein de défauts, hein, plein plein plein. Mais ça entraîne pour moi, c'est bien parce que ça fait un moment que je n'avais pas dessiné. Et donc du coup, ça me donne un petit peu de trucs pour m'entraîner un peu, pour me remettre dans le bain. On dit que souvent, les gens qui ne dessinent pas, enfin qui dessinent, il faudrait qu'ils dessinent tous les jours. Moi, je ne peux pas faire du tricot, de la couture et du dessin tous les jours. Pas possible. Voilà, donc aujourd'hui j'ai fait ça. Je vais noter la date qu'on est aujourd'hui. Nous sommes le 27 octobre 2024 et je vais mettre le temps de réalisation qui va être 10 minutes. Prendre 10 minutes dans la journée et faire un dessin rapide pour voir si j'arrive à prendre le pas, parce que vous voyez, il y a certains personnages, ils sont à peu près bien réussis, mais alors il y en a d'autres qui sont un peu à la ramasse. Puis comme j'ai pas utilisé la gomme, eh ben, il y a des parties où elles sont pas bien faites, que je n'ai pas effacées, que j'ai retracées dessus. Et voilà. Et donc ça, c'est fait pour aujourd'hui. J'espère que je m'y tiendrai. Maintenant, je promets rien. Je vous promets rien. Parce que à chaque fois que j'ai promis quelque chose, je n'ai pas tenu ma parole. Donc ça ne se fait pas.
Ma petite lampe, elle se charge très rapidement. Donc, j'étais très, très, très contente parce que du coup, bah, vous me voyez mieux. Et puis, le jour s'est un peu couché. Et donc, j'allume un peu toutes les lumières. Comme ça, vous me verrez mieux. Malgré qu'il y en a certaines qui font que m'écouter. Je vous remercie beaucoup à toutes celles qui m'écoutent et qui s'abonnent. Voilà. Je n'ai pas passé l'aspirateur dans ma travailleuse parce que je n'ai pas mon aspirateur dans mon atelier, ce que j'aurais dû faire avant de l'emmener ici. Je vais essayer de faire avec une petite brosse. Je ne sais pas si j'arriverai à enlever toute la saleté. C'est mieux de faire avec l'aspirateur. Peut-être que je vais la ramener de l'autre côté, passer vite fait un coup dedans. Mais bon, j'ai peur de, avec le son aigu, vous voyez, de l'aspirateur, que ça me rentre dans la tête et que ça me fasse mal pour le restant de la soirée. Donc, du coup, voilà. Je vais vous essayer le pull tout de suite. Comme ça, bah, vous pourrez voir le pull flax porté. Alors, voilà le pull flax porté. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien parce que du coup, je n'ai pas beaucoup de recul. Mais il me va à peu près au niveau du ventre. Donc, ça va pas très bien parce que bah, ma robe de Coralie Bijasson. Donc, du coup, ça ne donne pas trop bien parce que dedans. Bah, c'est tout compressé vu que j'ai la robe plus le pull, mais j'aime bien le pull flax. Voilà, je trouve très joli et bah, ça me va très très bien. Et puis bon, il faut que je rentre les petits fils là, mais sinon, avec un jean, ça irait très très bien. Voilà, donc il est très beau. On voit les de la robe. Il est un petit peu comprimé dedans parce que du coup la robe elle est assez large et elle est comprimée avec les pulls. Bon, ça me rend pas hommage niveau poitrine parce que du coup comme j'ai une poitrine généreuse, les cols qui me vont c'est les cols comme dans la couture, c'est les cols en V. Mais bon, pour passer l'hiver bien au chaud, ça va très très bien. Donc voilà. Je l'aime bien, les détails de manches comme ça, ballon, que j'ai modifié, ça me plaît beaucoup. Je ne l'ai pas bloqué encore, mais voilà. Alors la couleur rend pas hommage, donc il me reste quelques pelotes, il va falloir que je mette mon projet sur Ravelry. Alors sur Ravelry, je crois que mon nom c'est Jessie DNTT, je suis pas sûre, il faudra que je vous mette le lien de mon Ravelry, mais je suis pas très au fait de ça. Donc il me reste des petites pelotes comme ça, et il me reste des pelotes entières. Donc je pense que je vais me faire un bonnet. J'ai vu que Stéphaline Med avait sorti un patron de bonnet. Donc pourquoi pas en faire un bonnet aussi si j'ai assez de laine, et je pense que j'en aurai assez. Et comme ça j'aurai chaud. Et pourquoi pas m'en faire des mitaines. Je ne sais pas combien de pelotes, il va falloir que j'aille voir. Si je peux, je vais voir tout de suite et je vous dis combien de pelotes il me reste sur celles que j'avais achetées. Bah alors, à savoir combien j'en avais acheté parce que du coup, ça devait être dans ma première vidéo que j'ai faite pour parler du pull flax et savoir combien de pelotes j'avais. Et ça, il faut que je la retrouve, à moins qu'il y ait une d'entre vous qui se rappelle combien j'avais pris de pelotes. À la base, là-dedans, je pense qu'il y a une pelote entière. Je l'avais mis en cake parce que c'est beaucoup plus facile de crocheter, de tricoter en cake que de tricoter avec des pelotes qui roulent tout le temps. Et sur mon gilet que j'ai pas encore terminé, mon gilet de cheval blanc, le gilet cache-cœur ou le pull cache-cœur, je sais plus. Enfin, le cache-cœur de cheval blanc. Il me reste une petite pelote comme ça, et à mon avis, il y a environ 400 grammes, ou même moins. Je sais pas, il faut que je pèse. Bah, si je vous dis des bêtises, ça va pas le faire. Donc, je vais voir si je les ai là sous la main, les pelotes, et je vous dis combien il m'en reste. Bah, si. Vous dites que vous êtes content, et puis c'est tout.
Alors, j'ai retrouvé mes pelotes, mais elles sont coincées sous des caisses. Et donc, il faut que je déménage beaucoup de choses. Par contre, ce que j'ai retrouvé, c'est ma pelote pour finir mes chaussettes à la vanille de chez 3615 Kumquat. Donc, je vais pouvoir les finir. C'est trop bien. Enfin, j'avais commencé, j'étais au talon de la première. Et donc, c'est mes premières chaussettes. Je vais essayer de le faire. Et puis, je suis tombée sur les pelotes safran, 100% coton de chez Drops. Et je me disais, pourquoi tu ne ferais pas ton gilet si j'en ai assez? Parce que je ne sais pas si j'en aurai assez. J'en ai 5, 10, 10. Non, attendez. 5, 4, 4, 18 pelotes. 18 pelotes, c'est des 3 mm, donc ça tombait pile poil parce qu'il faut des 3 et des 3,5 pour le gilet. Et, ou alors si le gilet. Gilly d'Amélie Design, je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai une photo là. Et donc, je n'y vois rien, comme d'habitude. C'est comme d'habitude, je n'y vois rien. Oui, c'est mon micro. Donc, du coup, c'est du 160 mètres hein, pour 50 grammes. Je ne sais pas combien de mètres il faut, mais ça ressemble à la fingering. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou alors je prendrai un patron de Stephanie Made, mais le problème de Stephanie Made, c'est qu'il n'y a pas le tour de poitrine. Et moi, j'ai peur que ça ne m'aille pas. Je change les lunettes parce que là, je vais avoir mal aux yeux si je les mets constamment pour regarder mon téléphone. Et du coup. Je ne sais pas. Alors j'en ai des blanches comme ça aussi. Et j'ai de la bouclée, pas en coton, mais en je sais plus quoi. Il faut que je voie le patron. Il faut que je voie combien de mètres il faut. Parce que j'aimerais bien le faire comme ça, bleu. Ou alors le gilet pivoine. Mais je crois que le gilet pivoine de Audrey Borrego. Il faut. Alors moi j'ai dit que j'allais prendre quelle taille la dernière fois? Je me rappelle plus. Donc j'ai dit qu'il y avait 18 pelotes fois 160. Mille six cents plus 1004 à peu près. Ouais, c'est ça. Donc j'aurais peut-être tracé. Il est tricoté avec en fil Hobby Friends extra fine mérino. 165 mètres. 165 mètres, donc moi, elles sont souvent 160. Il faut que je fasse un carré de test. Parce que il serait très joli en bleu. En bleu, il serait trop beau. Alors, je vais voir dans le pull de Mimi Malou, la veste de Mimi Malou, la cirvate. Alors moi le problème c'est que c'est écrit en très très petit. Autant Audrey Borrego c'est écrit en gros, autant là c'est très petit. Et alors j'ai du mal des fois à le lire. Donc moi je vais faire un tour de poitrine 120. Non, il fallait prendre 15 à 25 cm de plus. Donc je vais prendre 135. Ouais. Je vais prendre 135, je l'avais dit déjà la dernière fois. Donc 135, il faut
Alors, 135, c'est quelle taille celle-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La 12e taille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1000? Ah, j'y vois rien. Truc de fou, hein. Mille, même comme ça, j'y vois rien. 1570 mètres. 1006. Il me resterait 8 pelotes pour faire un autre truc avec la blanche. Je vais peut-être le faire le gilet cirevate en couleur crème. Très trop beau. Attendez, je vais vous montrer la couleur crème. Alors, cette couleur crème, toujours en coton, j'en ai, donc c'est la safran, c'est la même hein, qu'en bleu, c'est le même grammage, le même mètre. J'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, j'ai dit 160, oh, j'en aurais pile poil. J'ai dit 1600, 10 pelotes multipliées par 160, ça fait 1600 mètres. Donc là, il est marqué 1570. Vous voyez? Vous croyez? Vous croyez que je vais le faire? Oh, je pense que je vais faire avec. Je crois que c'est des aiguilles 3, 3,5. 3,5 et 3. Alors j'espère que j'ai les diamètres d'aiguilles, parce qu'il me semble qu'il me manquait le 3 ou le 3,5. J'espère que je les ai, parce que sinon ça serait trop trop bien que je puisse faire ce gilet, parce qu'à mon avis, en couleur crème, en coton, trop bien. Si, parce que comme ça, je mettrais avec un petit t-shirt en dessous, et il pourrait faire l'hiver et le printemps, parce que si je mets un gros manteau dessus que je veux me coudre, je pense que ça ira très bien, et puis on verra tout le... La jolie torsade. Alors apparemment, elle est reportée après. Il faut relever des mailles. Elle a les manches droites et des côtes 1-1 ou 2-2, je sais pas, je vois pas trop. Et la torsade est reportée. Donc c'est une fausse, enfin c'est une vraie torsade, mais je veux dire. Et elle se ferme pas, il se ferme pas ce gilet, donc j'ai trop envie de me le faire comme ça. Alors j'espère que j'aurai assez de laine. J'ai toujours peur d'en manquer. En fait, j'en achète beaucoup. Vous voyez, j'ai acheté un pack entier chez Drops. Vous voyez, je vous les avais montrés, je sais plus quand, dans une vidéo. Et c'est de la soft tweed et elle est très jolie comme laine. Elle est très très belle. Et ça me fait penser un peu à un ancien gilet. Donc, à savoir si je vais pas faire le pull. Parce que j'ai, avec la. Vous savez que je suis abonnée à Patreon. Audrey Baugrégaud donne un code pour avoir un patron tous les mois gratuit. Et si je peux faire un pull à mon chéri dans ce lainage-là. Non, il veut un gilet. Il veut un gilet, mais je crois que j'ai acheté un pull. Je sais plus. J'ai acheté un patron de pull. Ou alors j'irai voir sur Drops pour voir. Hein. Mais j'arrive pas à suivre trop les explications de chez Drops. Je sais plus c'est qui disait. Il avait fait une vidéo YouTube et elle disait, elle parlait des patrons de chez Drops. Le problème chez Drops, si c'est un bonnet, ça va. Si c'est un pull ou une veste, c'est un peu compliqué pour moi, les explications. Et là, donc c'est, il faut falloir que je rechange de lunettes. Et là, j'en ai 20, je crois. J'ai 20 pelotes. 20 pelotes de 130 mètres et ça se croche, ça se tricote en 4 mm. Il y a 50% de laine, 25% d'alpaga et 25% de viscose. Alors, c'est bien pour un gilet, quoi.
Et alors, pour mon mari, comme il fait taille M dans le commerce et que je suppose qu'il fait, il va falloir que je mesure combien il fait. Mais là, je pense que je vais faire des carrés tests. Là, c'est en 4 mm. Donc, je vais en faire en 3 et en 4 et on va voir la différence de. Parce que si ça marche bien, je pourrais me faire à moi avec 10 pelotes ou 15. Enfin, ça dépendra combien j'en prends pour mon mari. Mais ça, c'est trop beau, ça fait trop bien. Et puis, j'ai la laine que j'avais achetée chez les Portugais. Je ne sais pas combien il y a de mètres. Je crois qu'il y a 400 mètres par écheveau. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis indécise. Mais de toute façon, je vais pas suivre les indications qu'il y a pour le Cirvate et pour comment ça s'appelle? Le pivoine de Audrey Borrego. Parce que moi, j'aime pas trop la laine. Vous voyez comme celle-là, là. Elle est trop lainage. J'aime bien ce genre de truc qui est mélangé et donc qui n'est pas très rêche sur la peau. Et je pense que je vais faire ça. Je vais voir. Je vais faire des carrés tests, autant avec le coton qu'avec le lainage. Je vais voir si j'ai les aiguilles pour. Et je vais voir si ça correspond au carré test. Et si ça correspond, ben, je vais me faire un plaisir de le faire dans cette un gilet bleu pour le gilet pivoine et un gilet crème pour le gilet. Alors le gilet pivoine, il se ferme. Alors à savoir, parce que j'ai des boutons, je sais que j'ai acheté chez les Chinois. Au Portugal, des boutons roses, mais à savoir si j'ai acheté des bleus et combien, parce que là il en faut 4, donc ça serait trop bien que j'en ai 4, parce que ça irait très bien avec la laine, enfin le coton bleu. J'aime bien les trucs en coton, si, mais moi, comme je suis forte, le coton il est lourd. Mais là, comme c'est aux aiguilles et que c'est pas au crochet, et que vous savez que niveau tricot, je suis aux prémices niveau vêtements. Niveau couverture et tout, niveau petit travail, petit doudou, j'en ai déjà fait. Mais niveau vêtements, je suis à mon premier pull. Donc ça, c'est mon pull flax. Je suis trop fière de l'avoir terminé. Il n'est pas parfait. Il y a deux, trois erreurs dans le pull. Mais enfin, on les voit pas, hein, parce qu'il est couleur marron déjà. Donc déjà, on les voit pas. Et je serais trop fière de faire un pull pour mon mari, et puis deux gilets, et puis pour aller avec mes vêtements. Donc du coup, le gilet crème, je pourrais le mettre avec plein de vêtements. Le gilet bleu, il pourrait aller même avec ma robe, la robe de Coralie Gibi-Jason que je vous avais montré cet été, parce qu'il y a des couleurs bleues dessus. Et je pourrais me faire un haut bleu, noir et tout ça. Et j'aime bien le bleu, j'aime bien le rose. Donc il me manque faire un gilet rose aussi, comme un peu le gilet pivoine, avec de la laine acrylique. Donc je vais faire plein de carrés test avec les laines préconisées. Je vais mettre des petites étiquettes sur chaque carré pour me dire, tiens, celui-là, tu penses à faire celui-là de modèle. Et faire des petites notes. Et puis je vous montrerai ben, ce que j'ai fait. Peut-être je le collerai dans un carnet ou je l'accrocherai comme des. J'avais réalisé ça il y a quelques années. Pour le crochet, j'avais fait plein de tests et j'avais mis dans des pochettes. Et si je retrouve ce bouquin que j'avais créé, en fait, j'avais fait plein de choses avec du crochet et j'avais mis des pochettes et j'avais mis l'échantillon que j'avais fait et donc des fois je le feuillette et je me dis ah t'as vu là tu savais pas crocheter trop là t'as raté le point là t'as réussi et puis j'ai mis des années et puis quand je le retrouverai je vous montrerai c'était rigolo quand je l'ai trouvé donc je vais faire deux tests sur celui-là avec des aiguilles 3 et 1 de 4 celle-ci je vais faire avec des aiguilles 3,5 que je crois que c'est 3,5. Hein. Le gilet pivoine. Je sais plus. Je sais plus. Alors,
Non, des aiguilles circulaires 3,25. J'en aurais pas des 3,25, je pense. Et les côtes à 2,75. Donc on va essayer à 3,5. Mmh. 3,25, je crois que j'ai pas déduit de ce truc-là. Alors je cherche. Bon, je vous laisse là pour le moment. Je vous montrerai les petits carré-tests que j'ai réalisés. Et puis je vous tiens au courant. Bah si, je vous tiens au courant. Je vous dis quoi? Allez, bisous, bisous. À la prochaine. Coucou. On se retrouve pour que je vous parle donc de mes décisions. Bon, j'ai décidé d'un commun accord avec moi-même, comme d'hab, que le gilet cire-vate, donc j'étais en train de faire l'échantillon, le gilet cire-vate avec la laine, celle-ci. Donc je suis en train de faire mon échantillon. Donc il faut 26 mailles sur 34 ans. Donc j'ai fait un peu au hasard. Hein. Normalement, il faut faire 26 plus un petit peu pour. Pour avoir l'échantillon du coup. Donc j'ai pris la soft cuit. Donc celle-là, je vais faire. J'ai pris l'aiguille 3,5. Sauf que je me suis aperçue que mes 3,5, c'était des circonférences comme ça. Donc ça, c'est bien pour les manches en 3,5. En 3 pour faire les côtes et le col, je pense. Ouais, pour les finitions du bas du corps et des manches. Non. C'est juste les bas du corps et des manches. Donc celui-ci, je le note aussi pour moi, parce que je l'ai décidé de le faire en. Donc je vais marquer. Je vais le marquer, mais en fonction du rendu, on verra. Alors, soft tweed de chez Drops. Là, je suis sûre d'en avoir assez. Et donc, je vais garder le petit ticket, le petit papier dans le patron. Et du coup, je suis en train de prendre la taille. Et comme sur le modèle, il est très serré, je me suis dit, tu vas prendre de l'aisance. Comme il y a des tailles supplémentaires, tu vas prendre de l'aisance. Et donc, j'ai pris l'avant-dernière taille. Donc l'avant-dernière taille, ça fait un tour de poitrine à 130. Donc j'ai une aisance de 10 cm. Ce qui évitera de trop tirer. Parce que moi, j'ai des hanches assez prononcées. Et donc ça m'évitera de trop tirer au milieu. Vous voyez? Parce que comme il n'y a pas de bouton, il est ouvert. Mais je ne veux pas non plus qu'il soit trop serré. Parce que avec mes hanches, ça ira pas du tout. J'ai fait aussi le. Enfin, j'ai commencé le. En 3,25 avec le coloris le safran de chez Drop Design et le coloris c'est la couleur 06. Voilà, donc j'ai commencé à faire pour faire le gilet donc de chez Audrey Borrego, le gilet pivoine. Donc ça, je vais le faire en bleu. Et peut-être si j'y arrive en rose avec la laine acrylique. Pour l'instant, donc je fais ça, je surligne tous les petites annotations pour pas que je me trompe de ligne. Voilà, pour pas que je me trompe de ligne. Je surligne tout. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver parce que du coup, c'est un patron qui va m'être fait sans aide. Je vais le faire sans aide. Et donc, j'ai peur de ne pas y arriver. Mais bon, il faut bien un jour que j'essaye des patrons moi toute seule. Parce que sinon, j'arriverai jamais à faire un patron toute seule. Et donc, je vais faire encore le gilet avec. Minimalou, donc le gilet cire-vate, mais dans le même temps je vais faire celui-là et puis si j'y arrive pas, et eh ben j'essaierai de demander à
Audrey Boerego, je ne sais pas si elle me répondra, mais en tout cas, voilà, c'est ça que je vais faire. Voilà. Alors, je suis retournée dans mon atelier parce que j'étais passée de l'autre côté de la force, donc chez moi. Dans mon... Mais mon mari faisait que fumer, donc moi, j'en pouvais plus. La cigarette, ça me tue la tête, en plus de mes douleurs. Donc voilà, quand on fait pas attention. Donc je suis revenue dans mon atelier du coup pour faire les carrés et je me suis dit bah tu vas surligner tout. Alors il faut que je note aussi que j'ai mis une aisance. Alors 120 cm de tour de poitrine. Enfin je fais 119 mais. Et voilà, comme ça je note tout parce que des fois je me dis je vais m'en rappeler. Et vous êtes comme moi, vous vous en rappelez plus. Et vous savez plus combien vous en avez fait. Donc là, je vais faire pareil. J'avais dit que j'allais prendre la taille 135, je crois. La taille 5, du coup. Donc c'est la dernière. Donc ben, c'est la taille 10. Du coup, ça va être très très bien. Et je vais surligner pareil que mon patron parce que j'ai envie de prendre une petite pause au niveau des... Alors, si c'est trop grand, mon échantillon, eh ben, je prendrai des aiguilles plus petites. Et si c'est trop petit, ben, je prendrai des aiguilles plus grandes. On verra bien. Mais sinon, ça serait dommage de tricoter des carrés test et puis que je n'y arrive pas. Je sais pas ce que je vais manger ce soir. Non, je n'ai pas décidé. Peut-être je vais aller faire un rôti avec des pommes de terre au four. Parce que c'est super simple à faire. Hein. On a juste à mettre le rôti. À mettre de l'ail, du vin blanc, des pommes de terre épluchées, coupées en deux. Donc je pense que je vais faire ça. Tout le monde va manger sauf moi, parce que moi j'aime pas le rôti, c'est trop sec pour moi. Et j'aime pas trop ça. Donc, j'aime pas trop la viande en ce moment. Non. C'est chafouin. Bon, je vous laisse là pour le moment. De toute façon, je continue à faire mes petites annotations, à faire mes petits... Alors, j'ai vu, parce que j'ai trouvé celle-là, mais j'ai vu que dans mon kit Chiago, j'en ai des 3,5. Donc, si je trouve un fil, pour aller, j'ai du mal à trouver les fils pour les petits diamètres d'aiguilles. Si, je sais pas si vous, c'est pareil, alors... J'arrive pas à trouver les aiguilles. Il va falloir que je cherche mes aiguilles. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc voilà. Je vous montre un petit peu mon avancée. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et alors, j'ai du mal un petit peu parce que j'ai un petit peu mal à la tête. Et j'ai un petit peu mal à avancer. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je fais une maille à l'endroit sur chaque rang. Même si ça soit un rang à l'envers, je fais une maille à l'endroit. Donc là, ben, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Et puis c'est tout. J'ai toujours pas fini la vidéo de Nona Créa parce que du coup, elle dure 1 heure. Et j'ai pas mal avancé en 1 heure sur les différentes. Mettre les idées en place. Si, mes idées en place. Boire un café. Commencer mes annotations. Commencer mes petits tests du carré pour voir les dimensions. Et enfin, mon échantillon, quoi. Et bon, moi, je dis que je fais un test. Parce que c'est la réalité, c'est un test. Hein. Et voilà. Et puis ce soir, peut-être je me mettrai à coudre.
Je sais pas par quoi je vais commencer. Et du coup, il me faut un manteau en urgence. Que il va commencer à faire froid, je vais pas avoir de manteau. Je ne sais pas du tout. Comment fais-je? Comment fais-je? Donc là, pareil, je termine par une maille en droit sur le rang en vert et hop, je tourne. Et c'est bien parce que c'est des petites aiguilles, comme ça je peux bien me mouvoir et puis le faire même bras levé. Enfin, bras levé. Pour mes cervicales, c'est pas le top, mais. Et les aiguilles, celles-ci, je les aime pas trop parce qu'elles glissent pas. Pourtant, elles sont en métal, mais elles glissent pas tellement. Je préfère les de chez Drops, en métal, vous savez. Ou les Chiagou, parce que ben la laine, elle glisse mieux dessus. Et voilà. Alors j'espère que vous n'entendez pas la musique, parce que ma fille est en train d'écouter la musique. Alors moi qui ai mal à la tête. Voilà. Mon autre fille est en train de regarder une série coréenne sur la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et mon autre fille, ben, je sais pas, elle doit se reposer. Parce que, comme elle était à travailler toute la semaine, je pense qu'elle est fatiguée. Voilà. Et mon mari est en train de regarder un film. Voilà, je vous dis tout. Et puis, ben, on se retrouve soit demain, soit dans une autre vidéo. Je vais arrêter là ma vidéo pour la journée. J'espère que ben, ça rattrapera tout le temps que je ne vous ai pas produit de vidéo. J'espère que ça vous intéressera quand même, même s'il n'y a pas d'informations plus que ça. Mais au moins, vous voyez que j'essaye d'avancer mes projets. Voilà, et je trouve le rendu très très bien. Je pense que le gilet il va être très très bien. Alors c'est le gilet Cervatin pour faire avec les. Alors je vais faire le gilet Cervate et le reste de laine, je vais m'en servir pour faire un gilet pour mon mari aussi. Mais bon, pas le gilet du coup Cervate. Et ouais, j'ai à nouveau les oreilles qui bourdonnent. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, ça m'énerve. Oh, ben si, c'est énervant. Et voilà. Et puis, je vais essayer de voir quel patron de couture je vais bien pouvoir commencer. J'aimerais bien faire un manteau, quoi. Peut-être prendre le manteau des bobines pattern qui est assez facile. Qui est sans doublure, que j'ai un tissu lainage là, que ça irait très très bien. Alors, je vais finir mon rang et puis je vais peut-être vous le montrer si je l'ai à disposition. Ouais, je vais aller le chercher, je vais vous le montrer et puis il faut que je voie si j'ai assez. Je vais aller chercher le patron d'abord et puis après, je vais aller chercher le tissu, je vais vous le montrer. Alors, je ne sais pas si je trouverai le tissu, parce que le tissu, il fait, je crois, 2 mètres. Je ne sais pas si j'aurai assez pour un manteau. Moi, je ne veux pas un manteau long, parce que le manteau long, ça me grossit. Je crois que je vais faire le manteau des bobines pattern. Le manteau, je ne sais plus comment il s'appelle. Le manteau. Je sais plus. Donc, je vais aller voir si le patron est découpé et tout ça, parce que j'ai pas encore fait je vous avais dit mon, comment ça s'appelle? Mon classement de patron découpé, scotché, tout ça. Non, je l'ai pas encore fait. Donc, il va falloir que je le fasse rapidement parce que je ne sais pas si le manteau est découpé ou pas. Donc je vais aller le chercher. Alors j'ai regardé mon tissu que je voulais prendre fait 2,20 m par 1,75 m. Donc il a une laisse beaucoup plus grande
que ce qui est noté dans les bobines pattern qui est sur une laisse de 1,40 m. Donc je pense en avoir assez. Donc je vais vous le montrer, je vais le sortir. Et je pense, ouais, je pense que ça va rentrer. Espérons. Alors, ça me paraît bizarre le métrage que j'ai noté, parce que vous voyez, c'est celui-ci. Et je trouve pas qu'il y a 1,75 m. Peut-être, hein, peut-être. Peut-être je dis des bêtises. Si, je pense qu'il y a 1,75 m sur 2 m. Donc peut-être. Alors, j'ai regardé le patron. Normalement, il y a une doublure. Et donc en doublure, je ne sais pas quoi prendre. Alors j'ai mes trucs qui sentent. Alors ça dépend parce qu'il y a la version longue et il y a la version courte. Je pense faire la version courte avec un col. Donc il faut que j'imprime aussi le patron du col et le patron n'est pas imprimé. Et je vais prendre la taille 52 du coup. Si mon carré de test est correct, je prendrai du 52. Sinon, je prendrai du 54 si mon carré de test est plus grand. Et je vais donc le scotcher. Je vais essayer de le scotcher là. Comme ça, je pourrais le découper. Peut-être pas le découper, peut-être parce qu'il y a beaucoup de feuilles, beaucoup de pages. Donc c'est le manteau frisson du bobine pattern. Oui, parce qu'il est assez simple. Il y a des boutons. Alors il y a une boutonnière, mais j'ai pas trop lu le patron parce qu'il est sur mon téléphone. Il y a une boutonnière, donc normalement il y a 2, 4, 6, 8 boutons pour la veste courte. Ouais. Alors peut-être je vais prendre les manches. Je vais les faire en satin. Mais par contre, l'intérieur, je vais peut-être le faire en wax. Vous savez, avec le wax bleu que j'ai. Ouais, bleu. Ça irait très bien. En wax. Avec les manches. Je sais pas si j'ai du satin bleu. Il va falloir que je regarde. Sinon, je mettrai du noir. Je mettrai du noir au niveau des manches et du bleu wax coton du coup dans la doublure. Il y a une vidéo sur YouTube donc des bobines pattern pour faire le manteau. Je vais m'atteler à ça si je peux aujourd'hui parce que vu que je suis partie dans la bonne vibes, je pense que je vais faire ça. Je vais scotcher mon patron. Je ne sais pas combien de pages à imprimer. Il y a 30 pages. Plus le col, parce que je n'ai pas imprimé le col. Il va falloir que je l'imprime. Depuis mon ordinateur, bien sûr. Ou alors, il faut que je mesure, voir si y a le carré test il est bon. S'il est bon, il va falloir que je l'imprime depuis mon ordi. S'il n'est pas bon, il va falloir que je l'imprime depuis mon téléphone pour que bah, ça corresponde au patron que j'ai sorti en impression. Donc je vais faire ça là de suite. Je vais chercher mes chaussettes que j'avais fait avec la Nord pour les chaussettes à la vanille parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Non, maintenant j'ai les pelotes, je n'ai plus les chaussettes. Enfin, je n'ai plus la chaussette. Alors je cherche parce que je ne sais pas où je l'ai mise du tout. C'est embêtant. Ah si, c'est embêtant. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. J'espère que ma vidéo vous trouvera en pleine forme. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bah si, on va essayer de faire demain. Sinon, je ne vais pas vous raconter des carabistouilles. Sinon, on se reverra ben, quand je serai bien. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez me regarder. Et à bientôt.
Bye bye.